Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série La Chronique des Conteville sur Crusader Kings 2, avec un objectif du coup à moitié rempli dès le premier épisode, hein, donc ça y est, on est duc, mais pas de Normandie, voilà. Objectif à moitié rempli, mais c'est déjà pas mal, hein, on est un petit peu plus fort, donc on va pas se plaindre. On va essayer d'aller se frotter le plus rapidement possible à l'ennemi breton, n'est-ce pas? Il y a quand même 2500 hommes, hein, donc on va pas leur faire n'importe quoi. Mais on en a 2100. Donc voilà, il suffit d'avoir une bonne petite alliance ou deux, et puis ça devrait être bon. J'ai toujours pas trouvé de fiancé à ma fille. Il va vraiment falloir que j'en prenne un, pas par défaut, mais presque. J'ai vraiment pas trouvé quoi. J'ai pas trouvé de truc particulier intéressant. J'avais vu je sais plus qui. Au pape, très bien. Non, j'avais pas vu grand chose. Si, éventuellement. Ouais, mais lui, il a pas d'enfant, donc. On peut forger une alliance, cela dit. Ah, c'est mon neveu. Eh ben, on va forger une alliance, tiens, pourquoi pas. Tiens, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Prince Robert d'Angleterre. Tu auras bien trouvé quelqu'un quand même. Oh, ouais, voilà. Donc... Ouais, mais non. Ouais, ben on attendra, tant pis, on va pas profiter du mariage de notre fille. On attendra un petit peu. Ah bah ça y est, on est touché par les épidémies. Fief des camps. Bon, heureusement, nous, on est là maintenant, donc... Y a point trop de mal. Qu'est-ce qui se passe? Emprisonnement justifié contre ma femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut tuer mon beau-frère. Mais non, on va mettre fin au complot. Allons, chérie, calmez-vous. Calmez-vous, mais oui. Voilà. Restez sage. Allez, à la fin de l'année, on mettra l'intendance. J'espère qu'on aura... Ça devrait nous donner un peu plus de points. Puis ils sont incapables de faire des enfants, ces deux-là. Hein. 34, 40... Va peut-être falloir réfléchir quand même. J'hésite à changer du coup, parce que... Ça aurait été bien d'augmenter. Ouais, bah oui, mais beau papa, t'es gentil, mais fallait peut-être y réfléchir avant. On doit une faveur. Même un poil mieux, mais pas assez. On va le mettre en résidence surveillée, allez, on va être sympa. Ça va peut-être se retourner contre moi, ça, mais. C'est pas grave. Ouais, j'aurais bien aimé que quand même qu'elle soit enceinte avant de changer le truc de famille. Il veut passer du temps avec sa fille. Il aime sa fille. Bon, ben c'est très très bien. Du coup, on fait... Elle est lunatique. Pff, oh, super. Génial. C'est magnifique. Ouais, donc ok. On est plus humble, ce que j'ai vu. Bon, l'argent rentre bien, hein. 4 par tour. On va peut-être pouvoir améliorer un petit peu notre chez nous. Magnus, armée de prince. Une révolte en Angleterre? Ah oui, quand même, ils sont nombreux. Hein. Ils sont quand même nombreux.
je pense qu'il va s'en sortir. Tenter l'héritier au vassaux, bah non, j'aurais bien aimé un autre héritier justement à présenter. Bon, c'est pas tout, mais faudrait faire des revendications par ici. À Roison pour commencer, ce serait pas mal. Ouais, bon, ils sont en train de se faire massacrer, hein. De toute façon, ici, la rébellion, m'en doutais un petit peu. J'étais pas très inquiet. Ouais, par contre, ce serait vraiment bien qu'ils fassent un gamin, quoi. Oh! Ouf! Bon, je sais pas encore qu'est-ce que ça va être, mais au moins il y a un gamin en route. Pardon, mais la façon dont je dis ça, qu'est-ce que ça va être? Ça fait un peu. ça fait un peu morceau de viande, hein. Ah! Ouais. On va essayer de la mettre un peu à l'abri. Qu'elle soit en réclusion, oui, c'est pas plus mal. Ah, je savais pas ça. J'avais jamais vu sa grossesse difficile. Ah, c'est chiant ça. Mais bon, le reste. Je sais pas ce qui est mieux. Bon, elle se nourrit bien, ça lui donne une meilleure santé. J'espère juste qu'elle va pas devenir. Non, c'est bon. Elle va pas devenir quoi. Enfin, gourmande. Ouais, bon voilà, rébellion, on n'en parle plus. Non mais je veux pas présenter ma fille, enfin, je l'aime bien ma fille mais... Bon, c'est pas rassurant tout ça. Hein. Elle est anxieuse, oh là 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 là, qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Je crois que j'ai trop voulu qu'elle soit enceinte pour... Enfin, qu'elle soit enceinte pour... Ça me porte pas malheur toute cette histoire. Ça commençait un petit peu trop bien. Ouais. Bonne relation d'avoir des commères autour de ma femme. Son mari devant devoir. Ouais, bah on va lui faire venir des servantes. Hein. Ça va augmenter sa santé. Troupes quand même. On comprend bien le boucher de Maine. Alors, qu'elle devienne du contentement, ouais, ou qu'elle devienne lâche. Ouais, on va faire le premier. Ouais, en plus ça va pas être génial, génial notre fille, je pense. Honnêtement. Ça sent point bon. Et c'est une autre fille. Ma belle. Ouais, c'est très très bien, ma belle. Ouais. Bon, bah je vais toujours laisser ça. Hein. C'est chiant ce malus là, mais. Non, je voudrais vraiment qu'il y ait un enfant, quoi, un fils, un monsieur, un bonhomme. Et en succession, on est quoi? On partage Salik. Ah oui. Ouais, ça va être long de toute façon pour que ça change. Hein. On a déclenché la guerre. Ah, pour vassaliser la Bretagne. Ça m'arrange pas, ça.
Mais genre pas du tout en fait. Ah là 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 là, ça complique tout. Il a pas déjà de quoi faire entre l'Écosse, l'Irlande et ça, non? Sérieusement. Déjà là, les Bretons, oui, c'est 4500 hommes quand même. Et lui, il est là. Bon, très bien. Membre du conseil inoccupé, notre maître espion. Ok. Notre maître espion, il est revenu. On tombe là-bas. Quant à notre chancelier, bah l'évêque de Domfront, ouais, pourquoi pas, le génie. Allez hop. Ah, on a mieux là. Ah ouais, mais c'est parce que c'est des vassaux, c'est vrai, des vassaux puissants. Oh là, il est tellement tout pourri lui aussi encore. 12. Ah, il est pas mal comme chapelain par contre. On va faire ça. On va le changer de poste. On peut pas? Ah. Et pourquoi? Punaise. Bon, de toute façon, déjà on a mieux, on a lui, il y a 22. Déjà. Déjà ça. Lui va pas trop apprécier, hein. Déjà qu'il doit pas trop m'aimer. C'est que la guerre va tourner à l'avantage de l'anglais, du roi Guillaume. Tiens, si les lois en Angleterre, c'est vraiment de la primogéniture. Allez, super. Ouais, en plus, si les comtes du Maine et du Perche, on peut potentiellement récupérer tout ça. Enfin, il l'a déjà, mais je veux dire, le futur roi aura ça en plus, sauf s'il leur donne. Ça commence à faire des personnes puissantes, hein. Bon, soit je veux pas devenir roi d'Angleterre, mais c'est surtout que je pense à l'indépendance, toujours, quand même. Bon, honnêtement, c'est pas sûr que ça arrive avant un paquet d'épisodes. Mais bon. Surtout pour revendiquer le... la succession, ouais, notre fille, ouais, elle a brillé, faut le dire vite, hein. Bon, bah, du coup, voilà, je voulais la marier depuis longtemps, je l'ai pas fait. Elle a une fille, je regarde vite fait si ça a un petit peu bougé depuis. Ouais, mais c'est un compte lui. L'alliance avec un comte. Non. Bah, elle est puissante, bien sûr, oui, mais. Mais y'a que des filles! Non, mais pas non. Oh, mais ils ont tous des filles, des filles, des filles, des filles, des filles. Ouais, mais en Irlande. Je suis même pas sûr qu'il viendrait m'aider, lui. Non, mais il a pas d'on, il a pas de fils. Ouh! Ça m'énerve un petit peu, hein.
Mais que je trouve qu'il y a un enfant, je me marie. Hein. Bah, chez moi, oui, bien évidemment. Bah, lui, il a une autre fille. Ah, c'est incroyable. Hein. Normand de Normandie, héritier du comté du Maine. Ouais, sauf qu'il va pas vouloir, il va pas accepter que ce soit matrilinéaire. Bah non, eh oui, bah, bien évidemment. Punaise. Ben, on va voir. Allez, on continue quand même, parce que... Une ambition, se faire un ami, acquérir un titre. On a déjà devenir roi d'Angleterre, peut-être pas, créer un trésor. On va se faire un ami. Bon, je suis pas très très inspiré sur ça. Ouais, bon. Rien de nouveau, rien d'exceptionnel. Ça me... Je trouve ça dommage, mais bon. Je sais pas ce qu'il va prendre exactement, vassalisation. Je sais pas s'il prend tout, ça devient son vassal. Donc, à mon avis, ouais, toute la Bretagne va basculer rouge. Hein. Comme ça. Faudrait qu'on récupère Évreux éventuellement. Si on peut. Allez, encore, je suis même pas sûr qu'on puisse. Au secours. Chérie, ça va pas le faire. On va voir si elle m'écoute déjà. Ouais, j'aurais peut-être dû accepter finalement coucher avec la femme de mon frère. Bon, je vais demander le divorce, c'est pas possible, mais est-ce qu'il va m'être accepté? Ouais. Ouais, c'est bien. Bah, ouais, c'est bien l'extase maritale, mais. Bah, refaites un gamin, hein. S'il vous plaît. Là, Emma, bon, mais j'ai pas envie de chercher des alliances non plus. Le comte de Chartres, bon, écoutez, je vais prendre un peu par défaut, mais et rusé, c'est pareil, c'est pas sûr qu'ils acceptent en matinaire. Bah oui, c'est le problème, ça. Ah, oh, et puis c'est lui pour lui-même, oui, bon, bah, encore moins. Fiancé. Ouais, bon, c'est vraiment pour dire qu'il y a quelqu'un, hein, parce que s'il accepte. Hein. Oh, bah oui, non, il est trop. Bah oui, bien sûr qu'il est trop proche dans la ligne de succession. Ouais, il a 3 ans, lui. Ah, c'est ce que j'aime pas en début de partie, c'est que c'est compliqué, quoi. Soit l'âge et soit l'enfant est trop direct dans la ligne de succession, et donc pour marier sa fille en matrilinéaire, s'accrocher, soit après c'est trop des gamins, quoi. Ils sont trop jeunes. Ah, peut-être lui éventuellement, qui est pas mal. Ah, il est troisième. Pour moi, il est troisième dans la succession. Il y a 9 ans, mais il est. Pfff. Ah bah, on attendra, c'est pas grave. Encore et encore. Désolé de faire durer cette chose. Pas très intéressante, mais bon. Bon, du coup, c'est pas simple, hein. C'est pas simple.
Ça s'est accéléré avec ce duché, mais pour mieux stagner par la suite. On a aussi des déchets assez puissants par là, hein, c'est pas le problème, mais c'est pareil, ils vont refuser. Ils vont refuser du matrilinéaire. Duc de Jutland, ouais, mais si je, déjà si je coche mariage matrilinéaire, ça va être compliqué. Avec lui, le prince d'Angleterre, bah, il est vraiment pas terrible, quoi. 3 ans. Prince d'Angleterre, courtisan, prince du Danemark. Eh ben. J'ai toujours mon physicien de la cour en fait. Comme je suis passé à. Ouais, c'est toujours lui. Bon, bah, on va le faire venir. Que cette petite guerre se termine. Ouais, bah oui, en plus oui, on va perdre des titres, bah oui c'est vrai. Pourquoi ça, se cacher? Qui c'est qui me veut du mal? Le bourgmestre d'Avranches. Eh ben, décidément. Il veut me tuer, bah oui. Merci d'arrêter tout de suite, hein, ce serait sympa. Je crois qu'il va falloir que je fasse un petit banquet dès que possible. Ça ferait pas de mal. Supérieur à novembre. Ah. Ouais, bon, t'es pas très content. Et bah tant pis, on a plus de bons maîtres espions. Enfin, bon, de toute façon, il était pas spécialement bon. Ou elle était pas spécialement bonne. Je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. Un saint homme, un noble, un commandant. Ouais, mais de toute façon, si je fais venir lui, il va être bon en érudition. Je crois pas qu'on puisse faire venir des gens qui sont bons. Bah, lui, ouais, il est bon. Il est vivace en plus. Bon, bah. Un commandant, allez hop, c'est pas grave, c'est pas pour rien. J'aime bien tenter de faire venir des personnes comme ça. Mais je pense pas que. Je sais plus si on peut se mettre. On peut mettre des femmes ou pas de base, je crois pas. Hein. Non. Eh ben on mettre espion. On va mettre. Pour messe de Bayeux. Hein. Allez. Et puis on le renvoie là-bas. Le risque lui aussi se fasse capturer. Donc on n'est plus rien, on n'est même plus non, même plus commandant. Tant pis. Tant pis, tant pis. Guerre en France. Enfant sans intérêt de... Ma nièce. Ah oui, ma nièce. Qui zézait. Zézait. Paul devoir, tiens. Allez. Des lettres ont été envoyées par le Vatican à l'ensemble du monde catholique. Le pape a réclamé l'arrêt de la béatification de pécheurs et a révoqué le droit de béatification au reste du clergé. Le Vatican ne verra plus en exemple des cas honteux comme Hugues de Sémur. Seuls les pieux adeptes du Christ recevront la sainte révérence. Alors, les récents différents ecclésiastiques ont posé un manque de confiance dans l'autorité de l'Église. D'accord, il a été béatifié, mais visiblement, c'était pas valable, hein, si j'ai bien compris. Ouais, alors effectivement, c'est vrai que ça a un petit peu changé, maintenant on a une autorité morale. Si elle est trop faible, je sais plus exactement ce que ça peut faire, mais... Mais bon, j'imagine que ça,
peuple, l'autorité de l'Église, est-ce qu'elle a rechuté ou c'est déjà pris en compte? Déjà pris en compte. Ok. Je regarde un peu parce qu'on a quoi comme... Comment faire déjà pour devenir prétendant à ce duché? Élise de Conteville. Ouais, mais... C'est qui, c'était une de mes... Ah bah... Hop, recommandant. Bon, non, c'est reclus. Il peut plus faire sa fonction. Pourquoi? Parce qu'on a des maladies. Ah ouais, là, ouais. Par contre, on va peut-être fermer les portes, maintenant. Allez, j'espère que ça durera pas trop longtemps. La rougeole. Je croyais qu'il était enfermé, lui. Non, il est ressorti, ça y est. Ah non, c'est celui du sus. Bah non, c'était bien lui pourtant que j'ai eu l'event comme quoi il s'était. Ah oui, 6 octobre, ça y est, bah, il est ressorti, il me donne de l'or. Bah tant mieux. Va falloir qu'on dépense, hein, d'ailleurs. Ah, bah le beau papa est mort. Ah, ça y est, la guerre est finie. Et voilà. Ce que je craignais. L'Angleterre est encore plus puissante qu'avant. Ouais, du coup... On peut pas, ouais. On peut être une seigneur liege ou un vassal de celui-ci. Ouais, bon, ça va compliquer un peu les choses pour le moment. Ouais, mais du coup, il refait preuve d'habileté politique, etc., etc. Ok, bon. Donc on y a gagné d'un côté, on y a perdu de l'autre, quoi. Et voilà, j'avais dit que la Bretagne, il fallait que je me dépêche d'y aller, et j'ai peut-être un peu trop traîné. Mais bon, en même temps, ils avaient le double de mes troupes. Oh non, c'est dégueulasse. On va mettre ma fille dehors quand même. Ah, par contre, elle, la courtisane, je sais pas trop qui c'est, mais elle, tant pis, elle va dehors. Et elle est morte. Ben, on va dire que j'ai bien fait. Quoi? Bon. Bah, j'ai bien peur que... J'ai bien peur... Peur que avoir un autre enfant soit compliqué. Ce qu'on va faire. Ça me fait pas plus plaisir que ça, mais on va faire de la séduction. J'aime ma femme, mais là. Mais là non. C'est vrai qu'il fallait que je me fasse un ami aussi. Ah, il a été excommunié ? Rien que ça ? Alors, je sais pas trop comment on fait pour savoir qui que quoi comment, mais... Diplomatie moins 5, puis la part des co-régionnaires... Ah ouais, punaise, ils ont pas... Ça c'est le collège des cardinaux... Ah oui, c'est maintenant on a les actions aussi qui sont ici. D'accord. Ouais, ça change pas le problème.
Très bien. Très bien, très bien. La maladie est toujours là. Ouais, donc bon. L'épisode aura pas été très efficace. Hein. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Je regarderai. Je vais regarder entre les deux épisodes si je trouve des possibilités ou pas. Ça va être compliqué à mon avis pour moi. Il va falloir que la solution se décante un petit peu. Bon, et bah écoutez, je vais arrêter là pour ce deuxième épisode. Il s'est effectivement pas passé grand chose, mais bon, on essaiera de. C'est Crusader Kings 2, hein. Voilà, hein. Il se passe des choses, il se passe rien. Faut pas tout avoir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce deuxième épisode. J'espère que malgré tout, la série continue de vous plaire ou l'idée vous plaît. Et puis voilà, donc de toute façon on se dit à très vite pour la suite. N'hésitez pas, hein, vous pouvez me laisser des commentaires, je lirai tout. Bonne soirée à tous et à bientôt, merci.